Ça va Nadine? Tranquille? Oui, tranquille, toi. Ouais. Tu crois que je te vois pas surfer sur Facebook? T'es ma chef? C'est à toi que je dois rendre compte? C'est à toi que je dois rendre compte, dis-moi, parce que j'étais pas au courant que c'était toi ma chef. Non mais on est un binôme. Je peux te parler des trucs du travail. Mais si on parle du travail, parlons-en. Moi, ce matin, j'ai dû monter devant le vagin éclaté d'une gosse de 11 mois. Après, j'ai eu sa mère qui est prête à se tirer une balle dans la tête parce que sa gamine se fait violer depuis plusieurs mois. Alors, si tu veux qu'on parle du travail, parlons-en. Moi, j'ai l'impression d'être un bon flic, de bien faire mon boulot, même si je fais pas les choses comme toi, d'accord? Alors, tu me lâches, tu me laisses avoir des amis virtuels et me détendre un petit peu avant de passer à autre chose. Oh, madame s'exprime? Madame, on a grosse sur la patate! Putain, même pas me faire chier, Iris, je te jure, c'est pas le moment. C'est jamais le moment! Pas le moment de papoter, pas le moment de travailler! Tu vas fermer ta gueule, Iris? Je te jure, tu vas fermer ta gueule! Mais y'a que toi qui a des affaires difficiles ou je comprends pas? On est un binôme, non? Je peux recadrer des trucs dans le cadre du travail! Mais d'où on est un binôme? Un binôme, c'est quand ça communique entre les deux! D'où ça communique pas! T'es sans arrêt sur mon dos, t'es sans arrêt en train de me dire ce que j'ai à faire, ce que je dois pas faire, ce que je fais de bien, ce que je fais de pas bien. T'es sans arrêt en train de me mettre des notes. Viens pas me donner des leçons. Et bah c'est comme ça que tu me remercies d'avoir écouté tes doléances pendant des heures, écouté tes petits problèmes avec ton petit mari, mais juste ce regard dans le cadre du travail, Nadine. Je te donne pas le droit de parler de mon mari. À cause de toi, j'ai quitté mon mec pour une histoire dont j'étais aussi responsable. Mon mec me manque, ma famille me manque, c'est compris? Toi, t'es incapable de me donner de l'amour. T'es sèche comme un coup de trique. Il n'y a aucune bite qui peut rentrer à l'intérieur de toi. T'es une merde. Je crois que t'es pas en complète possession de tes moyens. Ton mec, il s'est barré depuis longtemps. Il aurait dû se barrer depuis encore plus longtemps. Parce que je l'ai plaint pendant des années, ton mec. Parce que tu te fais dégueuler. Tu te fais dégueuler 3 fois par jour. Tu crois que personne le sait, mais tout le monde le sait. Tu te fais dégueuler toute la journée. Fini de me dire ce que j'ai à faire. Je vais faire un rapport. Fais-le ton rapport. Fais-le tout de suite, espèce de connasse. Tu veux que je te le tape? Fini de me dire ce que j'ai à faire.